Titanic, pardon. Le petit topo, il est là. C'est sorti cette année, c'est tout récent, c'est tout frais. On va certainement pouvoir le mettre en français puisque c'est un jeu français. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Il y a 170 followers pour ce jeu sur Twitch. Donc on est toujours en dessous des 200. J'ai peur des streamers, c'est une vraie phobie ou pas? Je pense que ça va être safe pour ce jeu. Je pense que ça va être safe. Je change le nom du jeu. Neurodeck. Voilà. C'est un roguelite et un jeu de deck building. C'est les deux en même temps. C'est requis pour l'apport du CNC. Ah, donc il y aura du narratif? Oui, il y aura du narratif. Il y a une approche. D'accord. J'avais pas vu ton message avant. Oui, ils sont pas simplement dans le prétexte. Il y en a qui considèrent que c'est insuffisant. D'autres qui considèrent que non, c'est très bien. Vous savez quoi? On va juger et découvrir ça ensemble, puisque je ne l'ai pas installé avant tout à l'heure, et je l'ai lancé seulement pour la première fois, tout de suite. Option. Français. Fast Mode, non. Non, je ne sais pas ce que ça va changer. Je ne sais pas ce que ça va changer. Tac, tac, tac. Apply Change. Pourquoi je mets en 720? Parce que je stream en 720, du coup je soulage toujours le processeur si jamais le jeu n'était pas optimisé. Mais a priori là, on devrait avoir un jeu plutôt optimisé. Accueil. Le neurodeck vous permet d'explorer le subconscient de quelqu'un, surmonter ses phobies et atteigner la sortie du labyrinthe pour l'aider à se sentir mieux. Démarrer une nouvelle session. Le neurodeck est un outil permettant d'explorer. Soyez prudent, vous rencontrerez leurs peurs les plus profondes et les plus dangereuses et vous devrez les vaincre. C'est le dernier jeu du live, tout à fait. C'est le quatrième et dernier jeu du jour. On a bien varié les genres. J'ai essayé en tout cas de faire qu'on ait un peu de tout. Pas seulement du casse-tête, pas seulement du shoot'em up plateforme. Voilà, là on a aussi un deck builder, c'est cool. Je ne connais pas le PEGI sur ce jeu, mais il me semble qu'on est au moins sur du 12, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne suis pas certain de mon coup. Il est sorti le 18 mars 2021. Ça c'est bon. Je vais pouvoir enlever la manette. Ça ne se jouera certainement pas à la manette. Je comprends les risques. Vous les avez eus aussi. J'ai bien laissé le message. Voilà. Je ne veux pas que vous soyez traumatisés par les lives que vous voyez ici. Explorez le subconscient d'un personnage. Tout le monde a un passé, un présent et un futur. C'est avec le passé que vous pourrez comprendre ce que vous êtes aujourd'hui. Vos actions présentes ont un impact sur votre état d'esprit futur. Le temps est un mouvement constant vers l'avant qui peut être vivifiant, terrifiant ou stimulant. Lei, elle est partie de son pays afin de découvrir un nouveau monde, mais a du mal à appréhender cette nouvelle réalité. Ça, bon, pour l'instant, c'est bloqué. Donc on continue sur Lei. Choisir une émotion à explorer aujourd'hui. La joie ou verrouiller. Au début de la partie, vous gagnez 20 endurance max et 20 santé mentale max. Votre deck, rêvasser 2, un bon repas 2, balle anti-stress 1. Ok, et on a des cartes qui sont posées juste à côté. La phobie perd 6 PV, regagner 8 endurance, regagner 5 santé mentale. C'est vrai que la pizza, ça sert à ça. C'est Peggy 12, merci. Merci beaucoup d'avoir vérifié. Et balle anti-stress, je ne retrouvais pas l'information sur Steam, c'est pour ça que j'avais un doute. Mais merci beaucoup. Balle anti-stress, la phobie perd 8 PV et le joueur gagne 2 reposés. Ok, il y a plusieurs unités de stats. Il y a l'endurance, il y a la santé mentale, il y a les PV de la phobie, il y a le reposé. Il gagne 2 reposés à la fin de son tour. Ok, on va découvrir ça. Continuons. Choisir votre prochaine destination, la nurserie. La nurserie accueille les nouveau-nés, qui sont tous uniques, chacun à leur manière. Oh, on reconstitue l'osage de la personne. C'est génial. C'est trop bien. Le boss final de la session, c'est à 18 ans, débloque un objectif majeur. Oh, c'est génial. On a 90 d'endurance. Les cartes que vous jouez coûtent de l'endurance. Si vous êtes à 0 endurance, vous pouvez terminer votre tour pour en regagner. Ok. On avait fait un jeu comme ça, c'était The Cyclist Tactics, avec un système de jauge d'endurance qui se gérait aussi. Ce sera certainement pas le même gameplay, mais il y avait quand même une approche comparable. Santé mentale, quand vous tombez à 0, vous mourrez. Mais ce n'est pas grave, on est dans un jeu vidéo. Ok, ça c'est dit. Ensuite, on va cliquer Entrer dans la salle de la nurserie. On est donc nouveau-né. Et on va avoir des premières peurs. Et là, ça se rapproche d'Among the Sleep, qui incarnait aussi les peurs d'un enfant de 2 ans. J'aime bien faire toujours les liens entre les différents jeux qu'on a fait sur la chaîne. Choisissez un trait pour votre nouvelle session. Un nouveau style de jeu pour une nouvelle partie. C'est un roguelite également, c'est pas seulement un jeu de deck building. Donc on va avoir des armes, entre guillemets, et des traits de caractéristiques qui vont influencer la façon de jouer et qui vont renouveler la façon de jouer d'une partie à l'autre.
timidité, vous gagnez 2 reposés à chaque fois que vous utilisez focalisation paix intérieure. Ok, pour l'instant je n'ai pas ce truc là. Humour, à chaque fois que vous jouez une carte, la phobie perd 5 absorption. Ah, elle a un autre truc, une autre caractéristique. Ténacité, à chaque fois qu'une phobie vous inflige des dégâts, vous gagnez 1 courroux. Pareil, ça je ne connais pas. On va donc découvrir ensemble. Mets le casque sur les oreilles pour écouter un peu plus de musique. Ça a l'air à la fois énigmatique, discret et stratégique. Je ne sais pas comment dire. On est sur une musique... enquête roguelike, ouais. On va faire humour. Voilà. Joie, humour. Confirmé. Choisissez votre prochaine destination. Plein de choses à mettre en place. Dormir. Dormir vous donne de nouvelles ressources. On est à 2 ans. D'accord. Ah, on a déjà passé un... On a déjà franchi un palier. D'accord. Salle de classe à 2 ans, c'est peut-être un peu compliqué, non? Une salle de classe silencieuse avec un professeur, il est d'accord pour vous donner des conseils après le cours. Ah, c'est peut-être pas les âges, en fait. C'est peut-être simplement des niveaux. Dormir, c'est pour les faibles. C'est clair. Non, dormir, je prends le temps maintenant. C'est marrant, j'oublie. Dormir vous donne de nouvelles ressources pour surmonter les différents obstacles de la vie quotidienne. Ça vous permet de réorganiser et de comprendre les activités de la journée. On va faire la salle de classe. Entrez dans la salle. Transforme un paquet de cartes en un autre. Ok, la carte là, qui coûte 5, avec une phobie qui perd 6 PV, se transforme en apaisement. Vous gagnez 2 courroux par utilisation de focalisation ce combat-ci. Ça coûte beaucoup plus cher par contre. Est-ce qu'on a vraiment envie? On peut essayer de changer. Ah non, la pizza elle coûte 0. Ouais, on va essayer en fait. On va faire ça, on va mettre une. On en transforme une. Et on transforme. Choisissez votre prochaine destination. Phobie rang 1. Combattre une phobie qui rôde dans votre subconscient, la haptophobie. La haptophobie verrouille votre deck et votre main. Ou bien, combattre une phobie qui rôde dans votre subconscient avec l'arachnophobie. Un défi simple, mais qui peut mordre quand même. Perso, j'ai pas peur des araignées. Je veux bien combattre l'arachnophobie. Je ne sais pas ce qui nous attend sur l'écran suivant. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, il faut le dire franco. Focalisation sacrifie de l'endurance, mais vous permet de tirer une carte. Utilisez-la. Focalisation, d'accord. Confirmé. Voici vos points d'action, 0 sur 3. La plupart de vos actions coûtent 1 point d'action. Ok. Quand vous arrivez à 0 point d'action, c'est la phobie de jouer, et ainsi de suite. Ok. Là, on est vraiment à la phase jeu de cartes. Pour l'instant, les menus sont propres. Hein. C'est bien animé, c'est assez fluide. Il y a beaucoup, beaucoup de notions à assimiler. Mais pour l'instant, ça va. Morsure, vous perdez 25 santé mentale, vous perdez 25 endurance. Mais ça, c'est quand il pourra jouer. Pour l'instant, c'est à moi de jouer. J'ai 3 actions possibles. La focalisation, je l'ai déjà faite. Tirer une carte, mais perdez 8 endurance. S'il n'y a plus d'endurance, perdez 8 santé mentale. Ok, il faudra faire attention. Elle a 25 PV, la phobie. C'est pas beaucoup. Je peux taper en faire perdre 8. Et 6, 14. Et vous gagnez 2 courroux. Mais les courroux, je ne sais toujours pas ce que c'est. Équipement, ok. À chaque fois que vous jouez une carte, la phobie perd 5 absorption. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'absorption. C'est peut-être sa phase d'attaque. On va donc lancer d'abord ça. On va rêvasser tranquille. Voilà, on tape. Une carte avant remplissage. On va essayer de se reposer. On va gagner 2 reposés. Ah, ça va me donner... Okay. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, le reposer. Mais ok. Je tape. Ah, il y a 2 effets en fait. C'est ça. On choisit l'effet. Soit regagner 8 endurance ou soit regagner 5 santé mentale. Ah, une carte peut servir à plusieurs choses. C'est cool ça. Focalisation, tirer une carte mais perdez 8 endurance. On va tirer une carte. Et j'ai fait mes 3 actions. Elle tape à 25, elle tape très fort. Et c'est mon tour. Il est à 11 et on va pouvoir certainement le tuer en 2 tours. Et la balle anti-stress. Et on tape. Et il est mort. Très bien. Au revoir l'araignée. C'est moi qui tue les araignées au boulot. Enfin, qui les tue. Vous le dites pas à ma patronne, mais en fait, des fois, j'ai réussi juste à les récupérer et à les sortir sans les tuer. Faut pas lui dire.
Que ça sert à rien de tuer la bestiole si elle a rien à faire dans un hôtel, mais enfin, si je la chope et que j'arrive à l'épargner, je la mets dehors. C'est pas moi de la tuer. Tiens, qui je suis pour la tuer. Rétro gaming, la phobie gagne 4. Anxiété, encore une notion en plus. Ok. Journée de caca. Vous tirez une carte, le joueur gagne 2 courroux. Pourquoi j'entends plus la télé? Parce que c'était le générique. Grand nettoyage, la phobie perd 5 PV. Ajoutez 2 grands nettoyages à votre main. Cette carte s'évapore après utilisation. La carte à usage unique. Ok, du deck building avec une carte à usage unique qui s'évapore. Intéressant aussi comme notion. Ça a l'air très complexe. Hein. Très riche, très complexe. Ou bien oreiller préféré, le joueur gagne 4 reposés, ou la phobie perd 6 PV. À prendre l'oreiller. Oui, mon petit cœur, qu'on ajoute à notre deck. Choisissez votre prochaine destination. Méditation. La méditation vous permettra de mieux vous comprendre vous-même, ou bien la salle de classe. C'est quoi le numéro de ta patronne pour que je prenne que tu peux l'oreiller? On va faire de la méditation. Débloquer une méta-analyse qui vous aidera à explorer le subconscient du sujet. Cliquez sur une partie du corps pour la développer. Cerveau, cœur ou estomac. Ça, c'est pas l'estomac. Mais c'est le système digestif et un peu plus les intestins pour être précis. Cerveau. Le cerveau, votre bonus de fin de tour de base est augmenté de 5. Je n'utilise pas les bonus pour l'instant. Le nombre maximal de cartes que vous pouvez avoir en main augmente de 2. C'est bien ça. Vous tirez une carte supplémentaire au début de chaque combat. Alors là, on est dans une mécanique qui ressemble fortement à... Ah, j'adore ce jeu. Il vient de sortir une version ultime avec les petits persos dessinés à la main. Et c'est pareil, c'est du deck builder roguelite. C'est Guild of Dungeoneering. J'adore ce jeu. Je vais vous l'écrire dans le chat parce que c'est pas forcément Dungeoneering. Il est trop bien ce jeu. J'adore. Ça fait longtemps qu'on l'a pas streamé, mais c'est un vrai plaisir d'y jouer. Même approche. Partie qui se renouvelle en permanence, du dessiné à la main, du deck building, super cool. Mon cimetière est plein par contre, il est vraiment bien rempli. Bon, qu'est-ce que je mets? On va mettre l'estomac, on débloque. Ok, on va pouvoir en débloquer plusieurs. Choisissez votre prochaine destination, dodo ou salon, ravivez des souvenirs du passé, choisissez un chemin pour votre personnage. On va débloquer un chemin, on va pouvoir débloquer des nouvelles cartes. Chaque chemin débloque une nouvelle carte, voyons quelle carte vous correspondrait le mieux. Comique ou inspirant. C'est tellement un mélange des genres. Et là, on est sur la constitution de personnages des Sims. C'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait. Je sais pas si ça va mener loin et si ça va être approfondi ou pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt enthousiasmant. Comique ou inspirant. Quand vous sortez, vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes ou passer du temps avec vos amis. Ce qui vous donne de la joie, c'est le matérialisme ou l'idéalisme. Ouais, sinon ça se saurait, hein. Je vous ai pas fait de sub-goal, alors... Si je marque que c'est le matérialisme, vous allez pas me croire. Cette carte est maintenant débloquée. Retrouvez-la en tant que récompense, en dormant ou en battant une phobie, afin de l'ajouter à votre deck. Promenade. Obtenez passif un tour. Équiper des équipements ne vous coûte aucune action. Vous gagnez donc une action. Ou vous gagnez une action. Ok. Comics et alcoolo selon le jeu. Ouais. Poursuivre le voyage. On est niveau 6. Ok, ça va quand même assez vite. La tocophobie est une bombe à retardement, elle gagne en colère au fil du temps. Qu'est-ce que la tocophobie? Tocophobie, toco, toco toro, toco pisco, il y a les Pokémon légendaires d'Alola qui sont comme ça. C'est la peur d'être en colère, la tocophobie. Oh, les Norse seraient là, elle me tuerait, elle a fait du grec, alors forcément, elle a été prof de grec aussi. Donc forcément, elle me jugerait. La tocophobie est une phobie de l'accouchement. Ok. Les phobies se caractérisent par une peur intense et durable ressentie lors de la confrontation à des objets, actes ou situations ou idées précises et bien délimitées. Ok. La tocophobie. Celle-ci, c'est bien la tocophobie. Ou alors, il y a l'herpétophobie. Herpéto est lent mais mortel. Herpétophobie, la peur des serpents. Ben ça, je l'aurais un petit peu plus. J'ai pas peur d'accoucher, hein. On a 3 enfants et je suis un homme, donc forcément... L'herpétophobie est la peur des reptiles qu'il s'agisse de najas, de boa ou de très inoffensifs lézards ou orvets. J'ai pas peur des lézards, par contre les serpents, je suis pas fan. La tocophobie, tu peux pas l'avoir. Non, du coup, je peux pas l'avoir. Et puis on est blindé, on aura plus d'enfants, là. Si, si, je vous assure, on reste à 3. Très bien. On va prendre l'herpétophobie parce que je suis joueur. Petit frisson. Les équipements s'attachent à votre personnage pour toute la durée du combat. Très bien. Pour les utiliser, il faut cliquer dessus.
Chaque utilisation consomme une durabilité. Lorsque la durabilité arrive à zéro, l'équipement se brise. Let's go la Toco. Non, j'ai pris l'autre, du coup. Vous ne pouvez tirer le même équipement jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Ok. À couvert, la phobie gagne 10 absorptions pendant son tour. Ok, l'absorption doit être un système d'armure. Donc elle a 50 et il doit baisser de 10 mon attaque. C'est certainement ça. On a été remis à 0 sur l'endurance et la santé, parfait. Bon, ça fait pas si peur, ça va. Bon, c'est pas rassurant, mais ça fait pas si peur. La phobie perd 6 PV, 2 utilisations. Ah, je peux le mettre en objet, en équipement. Pour avoir les 4 reposés. Je peux aussi taper 6 PV, mais il va pas perdre... On va voir ce que c'est ce système d'absorption. Gagner 2 courroux. Le joueur inflige 2 dégâts supplémentaires pendant son tour. Ah, mais ça, ça vaut pas le coup, c'est super cher. On tape. Bam. On va tirer une carte. Et la phobie perd 8 PV. Ça me paraît bien. Ah, ça me l'a gardé. Ça m'a laissé en apaisé. Ok. C'est bien un système d'armure qu'il a rajouté. D'accord. Là, je vais pas pouvoir le taper. Ça tape dans l'armure. Ok, c'est bien ce que... Oui, mon petit cœur. C'est bien ce que je craignais, du coup. Là, il a 44 PV et il a 10 d'armure. Il faut que je tape plus que 10 pour pouvoir gratter des dégâts. La phobie gagne 15 absorptions pendant son tour. Vous perdez 5 endurance. Ok, en plus, ça me balance, ça m'enlève de l'endurance. Ça va falloir l'utiliser un moment. C'est peut-être tôt qu'il faut l'utiliser d'ailleurs, mais je vais pas taper assez fort. Si je me plaçais... Ok. Le joueur gagne 4 reposés, la phobie perd 6 PV. J'ai un peu enlevé de ça. Et surtout, je le garde avec moi. Ok. L'armure a dégagé. Par contre, il en aura 15 au prochain tour. Je vais pas faire ça. Je vais me soigner avec endurance. Voilà. J'aurais pu tirer une carte. Hein. J'aurais pu tirer une carte. Ok, il en remet 15. J'espère qu'il en met pas 20. Ok, d'accord, il a plusieurs talents. D'accord. Il a plusieurs talents. Ça, c'est son armure. Mais au prochain, je perds 40 de santé mentale. Par contre, il ne mettra plus d'armure. Il va falloir se méfier. Ça va descendre extrêmement vite. Qu'est-ce que ça va être quand ça va être des combats de boss? La musique est bien. La musique est adaptée. Je vais pas taper très fort. Balle anti-stress. 15-8. 15-6. On va rêvasser. Peut-être que j'active ça. Hein. Faut que j'active ça. On va regagner de l'endurance. Et là, il me fera perdre de la santé mentale. J'ai 2 jauges à bien gérer. Et on va taper 6-2. Ok, et son armure a bien régressé aussi. Grâce au courroux. Dans la série passée, et ensuite, il va récupérer 10 d'armure le prochain tour. Ça, je peux pas l'utiliser, ça coûte trop cher. Faut que je tire une carte. Pour taper. Et pour me soigner. Ok. L'aspect stratégique est là. Ok. Ok, ça c'est 10, ça c'est 15 et 5 d'endurance, et ça c'est 40 de santé mentale. Ok, s'il alterne systématiquement comme ça, je vais pouvoir facilement lire son jeu. Là, je n'y enlèverai que 3. Ça, c'est peut-être tendu de le lancer. Non, je vais le faire. On va continuer d'en rajouter, on va continuer de taper fort. On va se soigner avant d'oublier. Et on tape. Voilà. Prochain tour, je perds 5 d'endurance. J'aurai assez. Par contre, j'aurai pas beaucoup de cartes. Ok. Là, je pourrais me soigner. C'est pas ce que je voulais, mais d'accord. Je peux faire ça. Ça, je veux pas l'utiliser. Et là, je lui enlève 1. Peut-être que je le garde le tour suivant, en fait. Je vais me soigner. Et au tour suivant, je frappe.
Voilà, c'est là où il faut bourrer, là. C'est là où il faut lui mettre 10. Donc, on lui enlève 6. Pourquoi je ne peux pas tirer? Pourquoi je ne peux pas faire focalisation? Tirer une carte, ça ne marche pas. Plus de cartes à piocher. Ah! Attendez. Lorsque vous n'avez plus de cartes, la pile se renouvellera automatiquement. Mince! Et coucou, Mia Marineco! Comment ça va? Comment je fais pour lui mettre des dégâts là? Ah, mais je vais être obligé de taper comme ça! Ah, bah oui! Allons-y, on a un équipement, ça tue! Ça reste le tuto, hein! Donc c'était étudié pour. Il est bien ce jeu, je l'aime bien. Pour l'instant, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir plus. J'aime bien les jeux de cartes, ça aide aussi. Les mécaniques sont à la fois complexes et riches, et il y en a pas mal. Il y a plusieurs jauges à doser, et ça, c'est un vrai plaisir. Et non, c'est cool. Bah écoute, ça va. À part qu'il y a troisième cas de Covid dans la classe de Lisandre, il y a un cas de Covid dans la classe de Lénore, et qu'il y a une des collègues de Lénore qui a aussi le Covid. Donc c'est un peu. On se sent un peu. Comment dire? C'est quoi le terme? Bref, sous pression. Sélectionnez une carte à ajouter au deck. Anarchie, la phobie perd 10 PV, la phobie perd tous ses modificateurs. Oh, ça a l'air géant ça! Faites attention à vous alors, merci beaucoup. On va faire ce qu'il faut. Moi je suis déjà vacciné, j'ai eu ma dernière dose hier. Si tout va bien, Lénore l'a demain, mais si Lisandre est testé positif entre-temps, elle ne peut pas. J'espère juste qu'ils vont fermer les écoles et puis. Et puis je dirai à ma patronne que je peux pas aller bosser lundi prochain parce que je garderai Lisandre. Comme ça, ce serait la meilleure façon d'être en sécurité et de pas mettre en danger les autres d'ailleurs. Parce que si on est testé une fois par semaine, mais si c'est nous qui sommes responsables d'une contamination et qu'il y a des gens qui finissent à l'hosto, on l'aura mauvaise. On a déjà envoyé quelqu'un à l'hosto pour la deuxième vague. Donc voilà. Tatouage, vous perdez 15 santé mentale, la phobie perd 15 PV. C'est génial ça. On va jouer comme Lénore, allez. elle va me tuer si vous clippez ça. Punching Ball, le joueur gagne 4 courroux. Vous défaussez une carte au hasard? Non. Et la phobie perd 5 PV, elle perd 1 PV supplémentaire par cumul de reposés que vous avez. Oh! Ah, ça a l'air pas mal. Ouais, mais on a envie de jouer le tatouage parce que ça a l'air fun. Ok. On a bientôt un combat de boss au niveau 9. Salle de classe ou salon? Ça, c'est pas mal hein, pour s'organiser. Allez, on continue le salon. Démarrer. Comique ou inspirant? Ah, tu voulais comique tout à l'heure, Totoni. Donc on va mettre comique. Passer du temps avec vos amis. Bon, on l'a déjà fait. Encore idéalisme. Et on retrouve promenade. Okay. Après, il nous faudra des équipements, donc c'est pas grave. Faudra pas refaire les mêmes choix dans ces cas-là. Ok. Ajouter une carte à votre deck ou copier une carte de votre deck. Le lecan de la bibliothèque vous accueille. Lisez un livre et multipliez vos connaissances. On va ajouter une carte. Je vais citer une carte à ajouter. Pensez attentionner, vous regagnez 15 santé mentale et 15 endurance et elle s'évapore. Ou écrire. Après, vu qu'on n'a pas pu reprendre, on n'a pas pu reshuffle le deck, finalement, c'est pas grave si ça s'évapore. Sauf si on peut plus jamais la réutiliser. Ah, c'est une fois par combat. On la perd pas définitivement. C'est une fois par combat. Ou écrire sur sa journée, la phobie perd 6 PV, vous tirez une carte. Ça, c'est géant. Je prends. Choisissez votre prochaine destination. L'agoraphobie. Ça, c'est un peu mon cas. Il te volera peu à peu ton âme et défaussera ta main. Je suis pas à l'aise dans les foules. J'aime pas du tout. Je me mets toujours à l'écart. Et c'est pas nouveau. Vous pouvez faire le check, hein, du coup. Je sais pas quel est l'artiste qui a réalisé tout ça au niveau des artworks. On continue jusqu'au boss. Jusqu'au premier boss. On s'arrêtera pas avant. Pour l'instant, je lance le petit Stropole. Comme ça, vous pouvez dire ce que vous pensez de ce jeu. Vous en pensez quoi? Ah, j'ai fait une tabulation avant. C'est top, c'est cool. J'ai mal écrit, c'est cool. Hop, ou c'est bof. Vous votez en votre âme et conscience, c'est vous qui décidez. Hop, on met 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour voter. Et dire ce que vous en pensez. Voici vos traits, ils sont liés à votre personnage. Ils s'activent automatiquement, ce sont des talents passifs. Très bien. Comme dans Transistor, ça fait parfois toute la différence. Pointez du doigt, vous perdez 20 santé mentale, verrouillez 2 cartes pendant un tour. Ah, les cartes verrouillées ne peuvent être jouées. Ça, c'est intuitif. Très bien.
Je vais shuffle tout de suite. Merci beaucoup pour ton vote, Totony. Merci beaucoup. Pour l'instant, c'est top à 100%. Qu'est-ce qu'on fait? On lui balle. Ah, il a 80 PV quand même, hein. C'est pas rien. Il va falloir qu'on lui mette des dégâts. Et là, ensuite, je ne sais pas ce que va être ce talent. Mais il va certainement m'empêcher de d'attaquer. On va d'abord bourrer. Voilà, on va balancer. On va tirer une carte. On va faire les tatouages tout de suite. C'est un bon choix. Comme ça, on va gratter un maximum. Les 20 points de santé mentale et les cartes loquées sont ces deux-là. Ok, pas de problème. Le joueur gagne 2 chagrins. Qu'est-ce que c'est que le chagrin? Vous perdez 20 endurance. Attention. Je ne sais pas encore ce que ça va me faire. Celle-ci, elle est lock. Je peux enlever 8 PV. Ou je peux gagner 2 reposés. Ça peut me servir contre le chagrin. Je ne sais pas. On va mettre notre petit oreiller aussi. Je pourrais mettre ça. 20. Ah non, si je fais ça, 20 endurance, je me fais bouffer. On va soigner. Je gagne 2 chagrins. Est-ce qu'ils vont être compensés? Le joueur verrouille 2 à la fin de son tour. Ok. Prochain tour, 30 santé mentale de perdu. Ça va aller assez vite, hein. Ça va aller assez vite. On a encore les tatouages. On peut aussi se soigner comme ça. Je vais d'abord tirer une carte. Je pourrais bourrer. Je pourrais mettre ça. Non, je vais me soigner le tour d'après, comme ça. Et comme ça. Voilà. Il n'est pas évident de reconnaître les cartes de soins des autres cartes, hein. Il m'a fait très mal. Ok, et il alterne en fait les stats qu'il est en train de me taper là. J'ai toujours ça. Ça pourrait grind. Les tatouages c'est violent mais ça enlève beaucoup. Je perds 15 de santé mentale, j'en ai plus beaucoup en fait. Ça c'est une attaque plus classique. Je perds 30 endurance au prochain tour et je gagne 2 chagrins. Je peux faire ça. Je gagne 2 reposés, je ne sais pas ce que ça m'apportera. Et on va se soigner. On va pas jouer au pifou. 24 PV. On lui en enlève 15. C'est bien un jeu de non tatoué ça. Ah, j'ai encore une carte action possible. Je peux encore lui mettre un coup. Par contre, voilà. Je suis à 12 de santé mentale. C'est très tendu. Ok, prochain tour, si je l'ai pas tué, je suis mort. Perdez 40 de santé mentale. Ça va marcher, ça va le tuer. La phobie perd 6 PV. Et je peux taper. Avec ça, et il est mort. Et ça tue. Moi, les tatouages, ça me fait me sentir mieux, mais pas mieux, pas pire. Ah non, je pense que. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Pour l'instant, on est à 50-50. 50% c'est top et 50% c'est cool. Sélectionnez une carte à ajouter au deck. On n'a pas vu croyance spirituelle. Perdez tous vos modificateurs. La phobie perd 1 PV par cumul de modificateurs. Vous regagnez 10 endurance. Ok. Transformez tous vos cumuls de reposés en cumul de courroux. Oh! Ça pourrait être intéressant. Par contre, ça, je pense que ça va être utile pour la suite. On va aller jouer sur l'anarchie. Et on va avoir. Ah, mais c'était lui le combat de boss. Ah, c'était lui le mini-boss. D'accord. Très bien. Il vous reste environ 5 minutes pour voter. On continue encore 5 minutes et après on fera un raid. Choisissez un nouveau bonus pour votre personnage. Méditation, bibliothèque ou dormir. Choisissez un nouveau bonus. Copier une carte de votre deck ou ajouter une carte. On va ajouter une carte parce que notre deck il est pas assez rempli. Déménagement. Vous tirez une carte par équipement dans votre main. Ok. Vous gagnez 20 endurance, vous gagnez une action. Cette carte s'évapore après utilisation. On va prendre ça. C'est vachement rentable, ça coûte 0 d'endurance, c'est vachement rentable. Prochaine destination, mangez un plat qui vous préparera à votre prochain combat. Balcon, le balcon vous offre une vue sur ce qui est important dans votre vie, ou bien salon. Ouais.
Je sais pas ce que ça va donner. On va manger, on va à la cuisine. Une ratatouille, une bonne ratatouille abaisse l'esprit et vous prend à votre endurance max pour votre prochain combat. Le goûter, c'est la vie. Voilà, c'est pas, c'est un goûter de luxe hein, avec la ratatouille. Ou les ramen, délicieux, ça ramène. Vous tirez 3 cartes supplémentaires au début de votre prochain combat. Sans hésiter, pas seulement pour les ramen. Respect pour la ratatouille quand même. Phobie, masculinité. La phobie de la masculinité. D'accord. Oui. Ah, j'aime pas les poils, j'aime pas... des fois, je suis mal à l'aise avec les mecs qui montrent, qui font trop de... c'est full testostérone, quoi. Je suis pas très à l'aise, c'est clair. L'entomophobie, c'est la peur des insectes, ça? Là même, ça me rassure. Phobie des gars, je pense. Oui, là, ça doit être la phobie des mecs, mais ouais, c'est plus quand ça incarne la masculinité et la testostérone et le muscle et les poils. Et quand c'est too much, ça me met mal à l'aise. J'aime pas sur moi, en tout cas. Bon, d'accord. Après, moi, les poils sur moi, je m'en fous. J'en ai pas des masses. J'ai pas de poils dans le dos, et heureusement, j'ai pas de poils dans l'eau. Quand j'en ai deux, je les fais enlever, mais voilà. Voilà, je suis un babtou et je m'en fiche. Je veux pas de poils dans mon dos. Dire que j'allais à la salle muscu avant. Après, la muscu me dérange pas du tout. Les mecs très baraques, pas spécialement, mais... Je sais pas, il y a... Moi, j'ai la phobie de la féminité. C'est vrai? C'est vrai, toi, Tony? On va prendre l'automophobie. Parce que ça va être... voilà, s'il y a des abeilles, je vais pas aimer. Ah, j'aime pas quand ça fait bzzz. En fait, j'aime rien, j'ai peur de tout, et c'est pour ça que j'ai pris ce jeu. Cool, j'ai 3 cartes de plus, c'est royal. Alors, il va à chaque fois m'enlever 20 de santé mentale. Et il va gagner 40 absorptions. Ouf, ah, c'est une blague, d'accord, ça marche. C'est pour ça que je te demandais pour savoir. Attendez, parce que s'il gagne 40 absorptions à chaque fois, je vais jamais réussir à le frapper. On va bourrer vite, parce qu'il a pas beaucoup de PV. Il a pas beaucoup de PV, il va falloir taper très très vite. Je pense que ça va être la clé. Vous gagnez 2 courroux, j'aurais pu faire 2 courroux avant. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû... L'avantage, Totony, c'est qu'on les choisit pas. On les choisit pas, c'est comme ça. Voilà, des fois ça vient de traumatisme de quand on est gamin, hein. Des fois on sait même pas pourquoi. Donc... Par contre, j'ai pas peur des araignées, mais alors du tout. Donc ouais, il y a vraiment des trucs bizarres. Ça va me coûter 5. Ça, je peux tirer une carte, ça va me coûter 10. On va faire ça. Et je vais gagner 2 de reposer. Ouais, ok. Le 2 de reposer, il est où? Ah bah, il est là, le 2 de reposer. Il a 40 pour bloquer. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui peut passer à travers? Non. Pour l'instant, j'ai rien qui passe à travers. 40-5. Vous perdez 40 santé mentale. Il va falloir blinder les soins, alors? Comment on va faire pour le tuer? 40-11. Il va falloir jouer soin. Est-ce qu'il va falloir jouer soin? Je sais pas comment l'appréhender, lui. Ok, la carte où je gagne une action, c'est pratique. J'ai remis mon endurance à fond. Je suis plutôt bien soigné. 25-11, 25-5. Je peux mettre lui en équipement. C'est pratique. Je perds 40 ici. Ok, c'est pas le même talent en numéro 3. Elle gagne 10 courroux. La phobie gagne 5 reposés. Ouh, va taper super fort au tour suivant. Il y a Beetle qui est en train de vomir, vous y croyez ça? Il y a Beetle qui est en train de vomir. C'est bientôt la fin des votes et on est sur une égalité. On va finir le combat et on fera un raid. Voilà, 50% c'est cool, 50% c'est top. J'aurais le vomi à ramasser aussi. La phobie perd tous ses modificateurs, ce serait peut-être ce qu'il faudrait utiliser, non? Allez, on bourre. On bourre, on bourre. Je perds 15 de santé mentale, je vais plus en avoir beaucoup. On tape très fort.
Est-ce que je peux le tuer en un coup? Moins 6. Moins 6. Moins 8. Moins 6. Faudrait que je me soigne un moment. Parce que là, il va gagner 10 courroux. Ah, ça peut le faire, en fait. Si, ça va le faire. Si, ça va le faire. Parce que là, il va pas me tuer. Il gagne 10 courroux, mais il va pas me taper. Il va pas me taper. Ok. Et là, faut que j'arrive à le tuer. 9 moins 1. 9 plus 5. 9 moins 1. Je vais pas réussir à le tuer. Je peux plus piocher. Je vais mourir. 9 moins 3. Je vais pas réussir à le tuer. Parce que le reposer lui atténue les dégâts. Sauf si je fais ça. De toute façon, là, il faut que je joue le tout pour le tout. Hein. Moins 3, moins 1. Moins 1, moins... Plus 5. Non, je peux pas. Ah, si je me soigne, lui aussi, il gagne. Non, bah c'est mort. Je vais crever. Et ben, on verra l'animation de la mort. Oui, je vous dis. Si, ça l'a tué. Ça l'a tué quand même. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ça l'a tué quand même. C'est le premier effet qui l'a tué. En fait, qui lui a enlevé un... Non, j'ai pas compris. Zut. Je regarderai les replays pour comprendre alors. Ou alors, sauf si vous avez compris. Médaille de papy. La phobie perd 5 PV par équipement joué ce combat. Si. Transformez tous vos cumuls en cumul courroux. Vous gagnez 40 endurance, tirez 2 cartes. Ah ouais, ça c'est bien ça. Impeccable. Et on a fini ce combat. Je vous ai dit qu'on s'arrêtait là parce qu'on a fait une bonne demi-heure passée sur ce jeu. Donc ça va maintenant être l'heure de faire le raid. Je vous remets le petit topo. Puisque le jeu s'appelle Neurodeck Psychological Deck Builder, c'est un jeu français. Sponsorisé par le CNC. Et la petite commande, c'est Tavrox. Le jeu a 170 followers sur Twitch. Voilà, on a fait 4 jeux aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi. On va maintenant passer au raid. On va trouver quelqu'un de sympa à découvrir ou à redécouvrir. Et je regarde tout de suite qui est en live. Alors, dans les copains... Ah, Mr. Noen, je crois qu'on l'a jamais raid sur la chaîne. Il y a Clem Newter. Il y a Gene Noodle. On a déjà raid. Il y a Franglish qui est en live. Qui est sur Sekiro. Il y a Niwa, mais vous êtes trop nombreux!